Ce sont les travaux. Ce sont les travaux de l'homme qui sont grands. Celui qui met le lait dans les vases de bois. Celui qui cueille les épis de blé piquants et droits. Celui qui garde les vaches près des zones frais. Celui qui fait saigner les bouleaux des forêts. Celui qui tord près des ruisseaux vifs, les osiers. Celui qui recommande les vieux souliers près d'un foyer obscur, d'un vieux chat galeux, d'un merle qui dort et des enfants heureux. Celui qui tisse et fait un bruit retombant lorsqu'à minuit les grillons chantent aigrement. Celui qui fait le pain, celui qui fait le vin, celui qui sème l'ail et les choux au jardin, celui qui recueille des œufs tièdes.